Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Camille pour une nouvelle vidéo de test d'accessoires Tesla. Suite à notre première vidéo avec des accessoires Green Drive, vous avez été super content, ça a très bien marché. Green Drive était également content, donc ils nous ont proposé de tester un autre accessoire de chez eux qui m'est demandé assez souvent. Du coup, je leur ai dit oui, donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je vais laisser Camille, vous présentez tout ça et ensuite on va passer à la phase de test du produit. L'arrivée de retour, donc, C'est ça. puisque c'est comme ça que certains m'appellent, du coup, depuis que je fais les présentations de certains produits. Ok, donc ils nous ont envoyé des glacières. Alors ces modèles, alors on nous a envoyé des modèles où il y a effectivement deux qui vont venir s'intégrer dans le fruc avant. Je sais qu'elle existe aussi en une seule pièce. Voilà, bon, nous envoyer les deux, ça nous convient plutôt bien, donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ouais, ils sont siglés Green Drive parce que c'est vraiment développé par Green Drive. Voilà, donc ça n'existe que chez eux, en tout cas ce modèle-là, avec voilà, tous les équipements et puis la fabrication. C'est eux qui l'ont développé avec leur propre fabricant. Donc c'est des glacières qui s'adaptent directement au frunk de la Tesla, on est Complètement. d'accord? Complètement. Ben, vous verrez après du coup comment on les a installés dans la. Comment on les a installés. C'est bête à pleurer en fait, hein. Ça s'intègre parfaitement. Quoi. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, rien qui déborde. On les met, point, terminé. Niveau composition, on est sur. Il y a un tissu à l'extérieur qui est imperméable. Voilà, donc on a une double poussière pour les ouvrir. On les a déjà un peu utilisés, nous, du coup. Ok. Donc, on a un revêtement semi-rigide à l'intérieur et cette couche extérieure là, elle est en alors PEVA, je crois. En tout cas, ce qui est indiqué sur le site, hein, je prends les infos du site, c'est qu'a priori, c'est un revêtement plus écologique et 100% recyclable parce qu'à l'inverse du PVC, il y a pas de, c'est pas chloré. Voilà, enfin, voilà, la texture n'est pas chlorée, donc c'est 100% recyclable. Mais ça, c'est bien. Toujours. Le fait que les. Ouais, bon ben voilà. Hein. Donc super pratique à transporter avec les anses. Et comme on voit, voilà, quand on dit que ça s'adapte parfaitement, on voit bien qu'il y a même la courbure où là c'est moins épais. Et là, c'est plus épais. Oui, pour s'adapter au frein que Complètement. j'ai. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment Donc les deux sont faites complètement. de la même façon. Exactement. Les deux sont exactement pareils. Donc l'avantage déjà que moi j'y vois, c'est que si jamais on n'a pas besoin de remplir tout le frunk avec du surgelé ou du frais pour partir en pique-nique par exemple, et ben on peut en prendre qu'une et laisser l'autre partie du frunk libre pour mettre autre chose. C'est exactement ce qu'on a fait pendant les vacances. Hein. On est parti avec une seule sacoche. Du coup, donc, ça nous a permis d'un côté de mettre cette sacoche avec du frais, avec du truc qu'on voulait prendre de la maison pour pas les perdre, et à la fois de garder la place pour le câble de recharge et puis trois conneries sur le côté, quoi. Donc c'est ouais, le fait qu'il y en D'accord. ait deux, c'est quand même vachement pratique. Juste, bah du coup, on va les tester, on vous montre tout ça et ensuite on vous donne notre avis sur ces deux glacières. Voir si elles sont efficaces ou pas, ce qu'on en a pensé et si on vous les conseille ou pas. Et enfin, bien sûr, le tarif des deux glacières. Toujours aussi doux. Ah, du coup, on a le petit tapis qui va bien, mais ça doit quand même rentrer Eh avec. ben, Bon, on va essayer. on va voir, on va voir. Alors, niveau, de toute façon, ça doit être. Ouais, Oui, voilà. voilà. Il n'y a pas C'est adapté photo. pile poil à la taille. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment un sens, en fait. Et si on se trompe de sens, ça rentre pas. Hein. Oui, mais du coup c'est pas ça va, c'est pas trop compliqué. Donc ça s'insère pas trop mal. Ouais, il y a juste à appuyer pour l'insérer en fait. Voilà. Ça m'a l'air sympa tout ça. Bah écoute, en tout cas, l'idée c'était que ce soit adapté à la voiture, on ne peut pas dire le contraire, c'est adapté à la voiture. Sachant qu'effectivement là, on va voir comment ça se truc, il va falloir faire par rapport au joint. Non mais ça a l'air d'aller. Mais sachant que voilà, on a décidé de ne pas, nous, de ne pas retirer le tapis de Oui, sol qu'il y a qui au est au fond. fond, Hein. ouais. Voilà. En tout cas, ça rentre parfaitement dans le frunk. Oui, c'est complètement adapté. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que ça remplit. Bon, du coup, Et on va ça les referme. tester dans une première situation. On va aller faire les courses. On va Ouais. voir si c'est pratique. C'est ça. Nous voilà dans l'antre de la consommation pour faire le test des courses avec la glacière.
le dénommé Carrefour. Trouver le téléphone. Pour ouvrir le frunk. Comme tu le dis bien. 5 minutes later. Bon, on va en prendre qu'une en fait. Oui, du coup, pour les courses, on en prend qu'une. Bon, du coup, on arrive au rayon qui nous intéresse pour la glacière. Or, par contre, Camille, elle disait, quand on la met comme ça dans le chariot, elle prend beaucoup de place. En fait, on a passé toutes les courses ici, là. Donc, c'est pas que c'est gênant, mais il faudra juste que... En fait, on s'est dit pour la prochaine fois que le temps des courses, on la gérerait... Oh, tu veux la mettre là, oui. Non, mais tant qu'elle n'est pas remplie, en fait. Comme ça, on peut profiter de la place. Et oui, puis, ensuite, on empile. Quand on en est là, de toute façon, les congelés, on les fait toujours en dernier. Donc, tout à fait. Du coup, on empile. Donc, on va juste qu'on s'organise différemment, mais ça va. Organisation de caddie. Première fois qu'on l'utilise, mais après, on réorganisera. Ouais. Donc, du coup, rayon surgelé, qui vont bien. Un rayon glace, précisément, puisqu'on a un repas demain et on a été chargé d'amener des glaces. Donc. Et bah donc c'est l'occasion idéale pour tester la glacière. Ça. Tac tac. Et après, un truc pour les enfants. Donc, Du coup. Ouais, c'est bon, ça rentre debout. Bon, ça va, il y a l'air d'avoir de la place quand même. Ouais, ça a l'air assez grand. Ça sent plus, ça sent plus. Ah oui, là, Camille, elle lâche les chevaux pour les glaces. La contenance est pas mal quand même. Voilà, on s'en est sorti, pas mécontent de finir les courses. Je suis absolument pas fan des grandes surfaces style Carrefour. Hein. Parce que les autres adorent ça, en vrai. Non, mais vu que je suis en scooter, moi j'ai l'habitude d'aller faire les petites courses au Sobio du coin, là, c'est vachement plus agréable. Ça nourrit pas toute la famille, on est d'accord, mais c'est vachement plus agréable que Carrefour. Mais bon, pour la démo du jour, ça allait très bien, et du coup, eh ben... Trouve-toi dans la vraie vie, ouais. Oui, du coup, je disais, pour la démo du jour, ça va très bien, on a pu remplir notre sac. D'ailleurs, on a mis pas mal de glace dedans. Ah, donc... On l'a bien rempli. Et il y a encore de la place et waouh, étouche dedans. Ah ouais. Ça garde bien le frais. Hein. Ouais, impressionnant, les parois elles sont gelées. Donc les glaces suffisent à refroidir. Ouais. Je pense que en mode pique-nique, quand on testera, à mon avis, il faudra prévoir un petit pain de glace là pour le frais, mais ça a l'air vachement efficace. Oui, pour les courses, à mon avis, ça suffit largement pour maintenir la chaîne du froid. Je pense aussi. Ouais. Mais par contre, ouais, si on s'en va, si on doit amener des choses fraîches plus loin, je pense que oui, un petit pain de glace, ça sera bien. Et du coup, tu nous montres s'il rentre avec le tapis une fois plein. Oh, bah, ouais, c'est bon. Ça passe. Nickel. Toujours pareil, ça s'adapte très bien, pas de soucis. Bon, on va pour la fermeture maintenant que c'est plein, mais vas-y. Bon, ouais, pas de raison. Hein. Bah, nickel. Bon, bah, ça a l'air efficace pour les courses. Ouais, c'est bien. Pour les surgelés, non, mais là, on a fait, pour un repas spécifique avec plein de glace. Ok. Mais nous, on a l'habitude d'aller faire le plein chez Picard, mais comme on n'y va pas tous les 4 matins, quand on y va. Ah oui, bah, je pense que là, on pourra. On sera pas emmerdés. Je pense qu'on pourra remplir à l'aise les deux sacoches non, avec ça, les surgelés. Nous, ça, enfin, voilà, je pense que ça ira bien pour. Même quand on fait ces grosses courses là chez Picard, je pense que ça ira très bien, ça suffira. Donc du coup on valide pour l'utilisation des courses. Ouais, super. Il y a une organisation du chariot à avoir. Et on valide. Second test de notre glacière Green Drive. On vient de faire un peu plus de 300 km Toulouse-Seignos et on avait des choses à rapatrier de notre frigo dans le frigo du mobilhome qu'on a loué en vacances. Donc on s'est dit qu'on allait tester la glacière. Donc on a fait ce matin le trajet, on est allé se garer en bord d'océan, on a passé la journée à l'océan et là on vient d'arriver récupérer le mobilhome. Donc grosso modo, la bouffe a passé quelque chose comme une dizaine d'heures dans la voiture, dont une partie en plein cagnard à l'arrêt. On va voir ce que ça donne.
Écoutez, ça, c'est encore frais, ça n'a pas trop transpiré. Le fromage est en bon état, a priori c'est pas mort. Donc, pour moi ça a l'air quand même assez concluant. On va aller ranger tout ça dans le frigo et je suis satisfait de l'efficacité de la glacière. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ces deux glacières à l'usage ? Ok, à l'usage, c'est hyper pratique. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui suis une abonnée, j'ai une caisse dans le coffre de la voiture avec tout un tas de poches, dont les fameuses poches pour mettre les surgelés. Oui. Que tout le monde a. Alors, j'ai un sac, j'ai une poche, j'ai un machin, j'ai un truc. Ok, en fait, ça a remplacé ça, quoi. C'est-à-dire ça, j'en laisse toujours une dans le froc, notamment quand je vais faire mes courses. Voilà, chez Picard ou Dieu sait qui encore. Et comme ça, ça me permet, d'ailleurs, on prend même dans le caddie, en fait, on prend dans le caddie, on met les surgelés dedans, et comme ça, ça nous permet de, voilà, de faire nos courses tranquillou, c'est très bien. Alors voilà, ça c'est en mode tous les jours, en mode, de, comment, je trouve pas le mot, quotidien, en mode au quotidien. Voilà. Ensuite, on les a donc testés également en vacances, pour récupérer du frais qu'on avait à la maison, pour l'amener sur le, là où on allait, sur le camping, pour ne pas perdre ce qu'il y avait dans le frigo. On a mis combien de temps ? Voyons, alors attends, entre le temps où on est parti et le temps, pas le temps où on est arrivé, mais le temps où on a déchargé le frais, en rajoutant hein, quand même les petits blocs exprès qu'on met dans les glacières, etc. Aucun problème, c'est-à-dire qu'on est arrivé, c'était encore... tout allait alors, bien, c'était, quoi. C'était, oui, alors je précise, parce que c'est moi qui avais ouvert les glacières, donc c'était bien. C'était pas comme dans un frigo. Mais en ayant passé une partie de la journée en plein cagnard pendant qu'on était à la plage, j'ai récupéré. C'était frais. C'était pas tiède, c'était pas chaud. On va dire que c'était frais. À mon avis, il aurait pas fallu la laisser 5-6 heures de plus au cagnard parce que là, je pense que ça allait commencer à chauffer vraiment. Mais voilà, une dizaine d'heures dans la voiture en plein soleil à 40 degrés, on a récupéré le frais. Ben, je l'ai mis dans le frigo et c'était parfait. Ouais, aucun problème. Donc ça, c'était pour la deuxième utilisation là, pour les vacances. Et ce qu'on n'a pas encore testé, mais à mon avis qui répondra complètement aussi à nos attentes, c'est en mode pique-nique en fait. Oui, bah, c'est la vu même que... utilisation qu'en vacances. Exactement. Alors un petit peu mieux parce que du coup, vu que c'est transportable et compagnie, ouais, c'est quand même vachement sympa. Donc voilà, nous on est super contents de ces glacières, super pratique, ça s'intègre bien. C'est vrai que le frein, on ne sait pas toujours forcément quoi y mettre, alors nous on a les câbles de recharge, mais voilà, toujours bien pratique d'avoir ça dessus. Bon, et du coup, le prix ? Alors le prix, pour le pack des deux, j'ai pas regardé pour le... parce que je sais voilà, qu'il en existe une entière, oui, pour complète, nous le deux, il y a 129,90. On est d'accord, on est bien tous d'accord, c'est pas donné, c'est clairement pas donné. Maintenant, voilà, moi je comprends parce que c'est un développement. On peut pas le trouver trop ailleurs, ça s'intègre parfaitement à la voiture. Donc si on avait dû l'acheter, je pense qu'on y serait venu quand même. Voilà, c'est pas le premier accessoire qu'on aurait acheté, je pense, mais c'est pas de l'indispensable. Par contre, ça fait très bien le job et mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que quand on n'en a pas, c'est pas très grave et on s'y fait très bien. Et puis, une fois qu'on l'a, on n'a plus trop envie de s'en passer. Donc, moi, je trouve ça, je les trouve chouettes. Elles sont pas données, voilà, faut être clair. Elles sont pas données. Mais moi, je trouve ça bien. Alors, petite info quand même. Elles sont pas données, mais... Mais, et oui, voilà, mais... J'allais venir. Mais faut être clair. D'abord, si vous utilisez... J'imagine que tu vas le mettre dans les commentaires... Oui, c'est en vrai. Fait, vous avez un code que je vais mettre dans les commentaires de la vidéo qui vous permet, en vous inscrivant sur le site de Green Drive, d'avoir un bon d'achat de 10 euros. C'est un bon d'achat, donc, parce que pour la première vidéo, il y en a qui n'avaient pas percuté le truc. Et grosso modo, quand vous abonnez, dans les minutes qui suivent, vous recevez un bon d'achat que vous pouvez utiliser pour acheter ce que vous voulez. Vous recevez un bon d'achat de 10 euros. Donc... S'ils ne sont pas encore inscrits à Green Drive et qu'ils s'inscrivent, ils ont 10 euros, donc ça leur fait 10 euros de moins si jamais ils veulent acheter ces deux glaciers. D'accord. Et il y a un autre petit truc à savoir aussi, pour ceux qui sont adhérents au Tesla Owner Club France, il y a aussi des réductions. Alors moi, je vous conseille d'attendre la prochaine vidéo de Camille qui vous présentera le Tesla Owner Club. Les avantages, les inconvénients, le prix qui vous expliquera ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas le Tesla Owner Club.
qui est un truc sympa. Alors moi, je suis pas... Voilà, mais Camille s'y est inscrite. Et au final, bah oui, ça nous permet d'avoir des réductions et des accessoires sympas qu'on vous présentera aussi. Mais du coup, on fera une vidéo dédiée là-dessus. Comme ça, vous verrez tous les avantages qu'il y a à être inscrit. Alors, on n'est pas... on est juste adhérent. On n'a aucun intérêt dans le Tesla Honor Club. Donc, je le dis par avance pour la prochaine vidéo. Hein, qu'il y en a qui pensent qu'on gagne de l'argent chaque fois qu'on fait des trucs. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai adhéré. Oui, en plus, oui. Donc, on en parlera une prochaine fois. Mais du coup, alors, bilan de ces deux glacières ? Super. Enfin, moi, ça me va très bien. Après, voilà, c'est pas donné. C'est pas donné, mais au final, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Ah ben, moi, j'en suis pas... C'est de la qualité. Non, c'est pas, moi, j'en suis c'est pas une glacière Wish ou après une demi-heure dans le coffre et ils sont à 50 degrés. C'est pas AliExpress, mais en même temps, on n'a pas testé d'autres AliExpress. Donc non, j'avais vu des avis qui n'étaient pas dithyrambiques, quand même. Voilà, pour nous, c'est un chouette produit. C'est un chouette développement. Et du coup, ça nous convient très bien. Ouais, voilà, bien donc on est si content. Jamais, pour les gens qui veulent investir pour un bon pour un bon produit, pour garder leur, bien sûr, bah oui. leur frais tranquille dans la Tesla, tu conseilles ? Bah oui, bien sûr. Ok, voilà. Bah de toute façon, je pense que voilà, c'est... Green Drive, et du coup, c'est chouette. Tu nous fais la conclusion de la vidéo pour changer ? J'en ai marre, moi j'ai la flemme de la faire aujourd'hui. C'est quoi la conclusion de la vidéo ? Ah ben, que les gens, ils doivent s'abonner, oh, laisser non, des moi, pouces je fais bleus. Pas ça, non, je fais mais pas si, tu le fais bien. Non. Bon, vu qu'elle a la flemme, je vais le faire moi. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Ça fait plaisir, ça aide au référencement, ça nous aide aussi à avoir des idées pour d'autres vidéos et avancer, vous proposer plein de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, il y a mon lien aussi si jamais vous voulez gagner 1500 km. À l'achat de votre futur Tesla, votre voiture de fou, prenez mon lien, vous gagnerez 1500 km, vous nous donnerez également 1500 km. Ah, elle a un truc à dire finalement. Ouais, elle a un truc à dire, non mais juste pour le lien de parrainage, alors vous allez gagner 1500 km et accessoirement aussi, on peut être là pour vous renseigner, voilà, pour répondre à tout un tas de questions, aux besoins. C'est aussi ça le parrainage. Le parrainage, c'est aussi de l'entraide. Voilà. Oui, alors je ne le dis pas assez, mais c'est vrai parce que ça me fait penser aux com qu'on a des mecs qui disent qu'on met le lien de parrainage juste pour avoir des kilomètres et qu'on s'en balosse. La plupart des parrains que j'ai eus m'ont contacté par mail à la première fois. Mon mail est à disposition dans la barre des commentaires. Et souvent, oui, des filles, pardon. Non, mais on revient de vacances, je suis fatigué. La plupart des filles m'ont contacté par mail et surtout, bah, la plupart du temps, on échange nos numéros et ils n'hésitent pas à m'appeler dès qu'ils ont besoin. Il y en a que j'ai accompagné à la livraison. D'ailleurs, vous avez des vidéos sur le sujet. Hein. C'est eux qui m'appellent pour qu'on fasse la livraison et que je les aide et ils sont rassurés comme ça. Donc, c'est vraiment un petit suivi qu'on fait et on y prend beaucoup de plaisir à faire. Même... Alors, Camille, une fois qu'un filleul appelle et qu'il demande des questions, elle ne s'arrête plus. Hein. Donc, vous pouvez y aller, je vous passerai Camille et elle vous donnera tous les renseignements que vous voulez. Bon, en tout cas, on a été heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de présentation des glacières de chez Green Drive. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.